Donc par l'examen clinique du rachis. Cet examen se fait sur un patient qui est déshabillé, qui est debout, et on va donc commencer par l'inspection qui permet de regarder les courbures de la colonne vertébrale. Donc je vais vous demander de vous tourner pour que je vous voie de profil. Et de profil, sur un sujet normal, on va observer une légère lordose cervicale, une légère syphose dorsale et une légère lordose lombaire. Ensuite, on demande au patient de se retourner complètement et on va pouvoir regarder donc l'aspect vertical de la colonne vertébrale, hein, qui normalement, en partant de la nuque jusqu'au pli interfessier, la verticalité des épineuses est bonne. Chez certains individus, on pourra observer un aspect en S de la colonne vertébrale vu de l'arrière, qui traduit la présence d'une scoliose ou d'une attitude scoliotique.